Bon, les gars, Je me revoilà, excusez-moi, mais j'ai le vice de vous faire des vidéos. Donc, je vais vous repasser quand même un petit son, un petit instrumental, là, vite fait, bien fait. Et sachez que les paradigmes, je vous les présenterai, dès que j'aurai le temps, je vous les présenterai. Et puis, il y a aussi, ces beautés, ces belles beautés. Franchement, les gars, celle-ci, attention, ça va promettre, ça va promettre. Là, je vais m'atteler à leur faire des petits pieds, tu vois, des petits pieds sympas. Je suis en train de voir ça là pour essayer de me concocter des pieds en sapin ou en chêne. Bon, après, ça vaut bonbon, mais tu vois, j'essaie de leur faire un petit truc sur mesure. J'avais mon pote qui devait me faire des pieds, mais là, c'est le problème, c'est que moi, il est loin, et puis pour l'instant, j'ai pas encore l'oseille pour ça. Donc là, je me ferai des pieds pour celle-ci à coût raisonnable. Mais en attendant, voilà. Et les L112, les gars, je vous le dis tout de suite, je vais quand même vous montrer la belle bouille qu'elles ont. Voilà. C'est vraiment. Regarde-moi ça. C'est beauté. C'est beauté. Elles sont vraiment magnifiques. Regarde. Ah oui. Elles méritent bien un petit bisou. Elles méritent bien son bisou. T'es jalouse, toi, c'est pas Les gars, elles cinglent, hein, quand même. Non, mais les gars, franchement, cette enceinte-là, j'ai hâte de vous la présenter. De vous la faire écouter également, parce que bah, c'est une grande enceinte de JBL, une enceinte de prestige, vraiment, je vous cache pas. Et puis bah, j'aimerais bien aussi la comparer, tu sais, avec laquelle? D'après toi, avec laquelle? Avec la nouvelle Elipson XLS15. J'aimerais bien les comparer toutes les deux. Voilà, juste pour voir si bah, Elipson, ils tiennent la dragée à des enceintes justement de cette époque-là. Parce que bah, on en dit du bien, donc moi j'ai envie d'essayer. Puis c'est des enceintes modernes. J'aime bien leur look, tout ça. Donc voilà, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça vaut. Donc le jour où je peux avoir les Ellipson, les gars, et ben voilà, je vous ferai des petits tests et tout avec mes enceintes. Voilà, il y a tellement de choses à faire, les gars, c'est incroyable tout ce qu'il y a à faire comme test. Et j'ai oublié de vous dire par rapport à l'ampli utilisé pour les maniates et les paradigmes. J'ai utilisé mon Denon PMA 790 qui est vraiment excellent. C'est un superbe ampli de toute façon. Il est une carrière de ouf. Il est une carrière de ouf cet ampli. Il est très bon en tout. Et c'est pour ça que je l'utilise pour mes tests. Alors, hop. Je vais vous balancer le petit son. Donc je vais vous balancer le petit son là, le petit instrumental, et tu vas voir la netteté, tu vois la netteté, bah écoute, je te laisse voir et en juger par toi-même sur les maniates et sur les paradigmes. Allez, c'est parti. On va commencer, on va faire ça en début, c'est sur les maniates, me semble-t-il. Thank you.
Ouais. Et les gars, vous savez quoi? Là, je me suis fait kiffer en même temps. Je me suis fait kiffer en même temps parce que c'est vrai que les enceintes, je les écoute pas souvent, pas tout le temps. Et puis bah là tu vois, bon bah là quand je réécoute mes paradigmes, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Là où la maniate, elle est plaisante, elle est agréable, mais voilà, dès que t'es sur les paradigmes, voilà, c'est un autre univers qui s'ouvre à la musicalité, et du coup c'est la voilà. Mais quand je dis la paradigme, hein, c'est il n'y a pas que celle-là, il y a toutes les autres enceintes que j'ai dans ma pièce là-bas que je vous ai pas encore fait de vidéo. D'ailleurs, il faut que je vous fasse les vidéos des capacents, des Infinity capacents. Ce sont des grandes enceintes, elles sont excellentes ces enceintes-là. Je vous ai pas encore fait les vidéos sur celles-là. Il y a aussi les JBL SVA 2000, sont sacrilège, Nico, bordel. Quand est-ce que tu vas aller faire les vidéos? Ça fait longtemps que je les ai en plus ces enceintes-là et je vous ai toujours pas fait de vidéos sur ces belles. Donc, faut dire, je me suis vachement attardé sur les Magnat et les Zeltax. Sur ces enceintes-là, je me suis beaucoup trop attardé. Après, en soi, dans un sens, tant mieux, parce que y a toutes les personnes qui m'ont demandé des conseils sur les enceintes, tout ça, ils ont fait des achats, on va dire, réfléchis, et je suis content que grâce à mes vidéos, ils aient pu acheter les enceintes en question et que bah, du coup, ça leur plaise. Et c'est vrai que c'est ça le principal, en fait. Moi, le but, c'est quand je fais par rapport à ces enceintes-là, qui sont commercialisées, c'est vraiment que les personnes, ils achètent les enceintes et qu'après, une fois qu'ils sont avec chez eux, bah, qu'ils soient frustrés. Ou qui se disent, ah mince, non, ça donnait mieux sur les vidéos à Nico, ou ça donnait moins bien, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dans une démarche pour vous, voilà, pour vous faire plaisir, et c'est le principal, les gars. Donc voilà, et j'étais en train de me dire, je vous repasse une musique là ou quoi? Je vous passerai bien un petit morceau de rock metal, et histoire de. Parce que tu sais que les paradigmes, elles sont polyvalentes aussi. Elles sont polyvalentes. Et ça c'est super, ça, la polyvalence. Donc je me tâte. Là, je me tâte. Franchement, les gars, je sais pas. Donc au cas où, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Allez, go, go, go. Ah, c'est la course tout le temps, les gars. Je vous dis, hein. Je suis peut-être chauffeur-livreur, mais c'est la course tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je cours, si vous savez. J'ai un rythme de vie effréné et infernal. Mais bon, après, c'est pas plus mal, hein. Je te dis, je vois pas le temps passer comme ça.